Je suis Mariana et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monique Crochet. Il me fait un grand plaisir de vous revoir. Le projet d'aujourd'hui, c'est un projet au tricot. C'est un châle. Il est grand, il est immense. Je ne peux pas vous le montrer sous la caméra. Mais le motif est vraiment superbe. Donc, c'est un point feuille. Qu'on voit, donc c'est tout au long du châle qu'on répète le même motif, mais c'est d'une beauté absolue. Ce châle, il est composé de deux parties et j'explique vraiment tout en détail, en gros détail, toutes les parties, toutes les séquences. Donc le châle, on le fait séparément et la bordure que vous voyez, donc on le fait autour de notre châle. C'est un morceau indépendant, mais que l'on accroche au châle. Toutes ces explications sont dans la vidéo, donc ne serez pas découragé au moment de la présentation du projet, parce que j'explique vraiment en détail tout. Dans une partie de la vidéo, je dis que je vais vous montrer à la fin de la vidéo le patron, donc les schémas pour les dessins, mais j'ai décidé de vous le montrer au début, comme ça vous pouvez le prendre en photo et vous allez pouvoir vous guider tout au long de la réalisation du châle. Donc ici vous avez la séquence pour le motif feuille, donc c'est une séquence qui se répète sur 20 rangs, mais ça c'est vraiment au départ, donc vous allez comprendre dans le tutoriel, je vous le dis, quand on débute ici à la base, c'est ici qu'on débute notre châle. Donc au départ, nous allons faire 10 rangs sans dessin, sans motif. Et seulement après, nous allons commencer à faire le point feuille. Et après qu'on termine une séquence, on va la répéter à partir du 11e rang. Donc ici, d'un côté, c'est les rangs impairs. Et de l'autre côté, c'est les rangs pairs. Dans ce châle, c'est seulement dans les rangs impairs, le premier, troisième, cinquième, ainsi de suite, qu'on fait le dessin de notre châle. Dans les rangs pairs, on travaille les mailles telles qu'elles se présentent. Donc, je vous laisse la feuille pour que vous la preniez en photo. Donc, la voilà. Et maintenant, je vais vous présenter le dessin, le patron là, pour la séquence de la bordure. Donc, comment est-ce qu'on fait pour... je l'explique en fait en détail dans le tutoriel, mais j'ai décidé de vous la montrer aussi pour que vous ayez une idée de à quoi ça ressemble le patron. Donc on va monter 8 mailles. Ici, en fin de rang, il y a la lettre S et une flèche. Donc dans ce sont des indicateurs qu'on attache en fait notre bordure au châle. Donc vous allez voir. Et aussi, donc on a de ce côté les rangs impairs, je m'excuse, et de ce rang-là, des rangs pairs. Contrairement au patron pour le motif de la feuille, la bordure, le dessin, on le fait autant dans les rangs impairs que dans les rangs pairs. Donc, toutes les explications sont là. Voilà, vous pouvez la prendre en photo. Et vous allez vous guider de ces dessins-là au fur et à mesure que l'on avance dans la réalisation du châle. J'espère que vous allez aimer. Je vois que les châles que je propose sur la chaîne ont une grande popularité, donc je me dis que c'est vraiment beau et c'est joli à porter et c'est joli à offrir en cadeau. Donc pourquoi pas ne venir avec un autre modèle de châle dans un autre super motif. Voici le matériel que je vais vous présenter et que j'ai utilisé pour réaliser ce châle. Donc, j'ai pris
Le fil que j'ai pris, ça provient de la marque Yarn Art Baby Coton. C'est un mélange d'acrylique et de coton à 50 et 50%. La couleur que j'ai utilisée, c'est le 400. Nous avons dans 50 grammes 165 mètres. Et le producteur nous suggère des aiguilles de 3 mm pour l'épaisseur de ce fil. Et c'est ce que j'ai pris pour réaliser ce châle. Donc, comme j'ai dit, des aiguilles de 3 mm l'épaisseur. Ça doit être, on doit avoir des aiguilles sur un câble. La longueur du câble, je vous le suggère d'avoir entre 80 et 100 cm. J'ai ici 150 mètres. C'est un peu trop. Même si on va en augmentant le nombre de mailles, puis la largeur du châle va en augmentant avec chaque rang, mais j'en avais pas des 3 mm sur un câble plus petit que ça, donc j'ai pris le 150 mètres. C'est faisable, pas de problème pour ça. Je vais avoir besoin de deux marqueurs pour délimiter la ligne du centre, une ligne de centre qui va être composée des mailles à l'endroit et qui va séparer en fait la partie droite de la partie gauche du châle, et des ciseaux à la fin pour couper le fil. Quelques mots pour vous situer dans le comment de notre châle. Donc, on va débuter notre châle ici, au milieu, à la base. Et on va aller en augmentant le nombre de mailles. Donc, dans chaque rang impair, on va ajouter 4 mailles. Donc, en début de rang, de rang, avant la ligne de milieu, après la ligne de milieu du centre et en fin de rang. Donc, 4 mailles dans les rangs impairs. Dans les rangs pairs, on tricote toutes les mailles telles qu'elles se présentent à nous sans rien faire. Tout le dessin, tout le motif du châle, en fait, se fera dans les rangs impairs. Et les rangs impairs, pour ceux qui sont débutants, je le mentionne encore une fois. Donc, quand on débute notre travail, le premier rang, c'est un rang impair parce que c'est le numéro 1. Le deuxième rang, c'est un rang pair parce que c'est le numéro 2, et ainsi de suite. Donc, le troisième impair, quatrième pair, et ainsi de suite. La séquence du motif que j'ai choisi pour le châle, ça va aller de... c'est à l'horizontale de 10 mailles et en hauteur de 10 rangs. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, donc, nous allons débuter le travail par monter 3 mailles. On va aller en augmentant le nombre de mailles sur 10 rangs. Et c'est dans le 11e rang que nous allons débuter, en fait, le vrai patron, le vrai motif de notre châle. Et après ça, donc, je vais vous expliquer, inquiétez-vous pas. Donc, vous allez comprendre le principe de tricoter ce motif. Donc, allons-y. Alors, on commence. Donc, on part notre travail en montant 3 mailles. Selon votre technique à vous, laquelle vous maîtrisez le mieux, vous allez monter 3 mailles sur votre aiguille. Et c'est le début encore, on ne compte pas encore les rangs. Donc, ces 3 mailles-là, quand je vais tourner le travail, je vais les tricoter toutes à l'envers. Une, deux et trois. Là, je tourne encore une fois les aiguilles. Je vais commencer en fait mon travail. Ça va être le premier rang et c'est dans le premier rang, le rang impair, dans les rangs impairs que tout se passe. Donc, c'est ici qu'on va faire les augmentations et c'est aussi dans les rangs impairs qu'on va faire le dessin, le motif de notre châle. Ici, on a 3 mailles. Donc, dans chaque rang impair, on va augmenter le nombre de mailles de 4. On va faire une augmentation en début. Une avant la maille centrale, une après la maille centrale et une autre, la quatrième, en fin de rang. Vous avez le choix de faire un nœud pour augmenter le nombre de mailles. Donc, vous faites un nœud, je ne sais pas comment vous pouvez le faire comme une augmentation. Vous pouvez faire soit un nœud,
soit un simple jeté comme je le fais moi-même. Je vais faire un nœud par contre en fin de rang. Donc, je fais une augmentation, un jeté. Je travaille une maille à l'endroit. Je m'arrête parce que ici c'est ma maille centrale. Avant la maille centrale, je vais faire un autre jeté. Je vais mettre un des marqueurs pour délimiter cette maille centrale. Et je travaille la maille centrale à l'endroit. Après la maille centrale, je vais mettre mon deuxième marqueur. C'est comme ça que je la délimite. Donc, vous voyez, elle reste au milieu, au centre, et séparée par les deux marqueurs. Après mon deuxième marqueur, je vais faire une autre augmentation. C'est ma troisième augmentation dans ce rang. Je travaille une maille à l'endroit. Et en fin de rang, je vais faire une augmentation. Cette fois, je vais prendre mon pouce. Je le mets sous le fil. Je tourne et je prends avec l'aiguille ce côté du fil. Et comme ça, je vais faire un nœud. Je tourne mon travail. C'est mon deuxième rang. C'est un rang pair. Et dans les rangs pairs, je vais seulement travailler toutes les mailles à l'envers. Cette augmentation, ce nœud-là, je le prends par le brin qui est près de moi. Je le prends comme ça. Et je le travaille à l'envers. 1, 2. Les jetés aussi, je vais les travailler à l'envers. Ça va faire des trous et c'est ce qu'on cherche à faire. Donc, la ligne centrale, elle va avoir d'un côté et de l'autre des trous, des lignes de trous. Je déplace mon marqueur, la ligne centrale à l'envers. Je déplace mon autre marqueur, le jeté à l'envers. Et deux autres mailles à l'envers. Ici, je ne fais aucune augmentation. Je tourne mon travail. Je vais maintenant commencer mon troisième rang. C'est un rang impair. Je fais encore une fois quatre augmentations. Ça va aller comme ça jusqu'à la fin de notre châle. Dans chaque rang impair, on va augmenter quatre fois le nombre de mailles de quatre. Un jeté en début de rang. Une, deux, trois mailles à l'endroit. Je m'arrête parce que ici c'est mon premier marqueur. Je fais un jeté avant ce marqueur. Je déplace le marqueur, la maille centrale à l'endroit. Mon autre marqueur, je le déplace. Après lui, une autre augmentation. Une, deux, trois et une augmentation en fin de rang. Les rangs impairs, je vais vous montrer tous les rangs impairs. Les rangs pairs, je vais vous laisser travailler individuellement parce que c'est travailler toutes les mailles à l'envers, rien de compliqué. Le cinquième rang, un rang impair. Donc, je dois faire des augmentations. Une en début de rang, un jeté tout simplement comme ça. Je vais travailler à l'endroit. Une, deux, trois, quatre, cinq mailles. Ici, c'est mon premier marqueur. Je m'arrête devant lui. Je fais un jeté. Je déplace le marqueur. La ligne centrale à l'endroit. J'ai ici mon deuxième marqueur que je déplace. Je fais une autre augmentation. Et je fais cinq autres mailles à l'endroit. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et une dernière augmentation en fin de rang. Vous avez compris que cette ligne centrale sépare la partie droite de la partie gauche et tout ce qu'on a dans la partie droite se répète dans la partie gauche. Si on a ici 5 mailles à l'endroit, on doit avoir absolument 5 mailles à l'endroit ici. Donc, vous avez compris le principe. Le rang pair, vous le faites tout seul. Ça va être le sixième rang. Septième rang, un rang impair. Je dois faire des augmentations en début de rang. Je fais un jeté. Je travaille ensuite 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai ici mon premier marqueur. Avant lui, je fais une augmentation. Je le déplace. La ligne centrale à l'endroit. Je déplace mon deuxième marqueur. Après lui, je fais une autre augmentation et cette autre maille à l'endroit. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 et une dernière augmentation en fin de rang. Le huitième rang, vous le faites tout seul. Neuvième rang, je commence par un jeté. Je vais travailler maintenant à l'endroit 9 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je m'arrête devant mon premier marqueur où je fais une augmentation. Je déplace le marqueur, je travaille la maille centrale. Je déplace mon deuxième marqueur. Après lui, une autre augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'endroit. Et une augmentation en fin de rang. Le dixième rang, vous le faites tout seul. Dans le onzième rang, on commence notre motif. Nous sommes rendus à notre onzième rang, donc voici à quoi ressemble la partie droite de notre châle et la partie gauche est similaire, elle est identique. Nous avons maintenant préparé la base pour pouvoir débuter le motif. Et comme je disais, à l'horizontale, ça nous prend 10 mailles, donc une séquence de 10 mailles à l'horizontale, et nous en avons assez de mailles pour pouvoir débuter ce motif. Nous allons, vous allez voir, dès que nous aurons, puisqu'on va en augmentant en latéral notre châle, chaque fois que nous allons terminer une séquence de 10 rangs en hauteur, nous allons préparer en même temps la base pour une deuxième feuille. Donc, notre motif est composé des feuilles. Et donc, nous allons maintenant, c'est le début d'une feuille ici, et nous allons maintenant faire en sorte qu'on ferme en fait notre feuille. Et en faisant cela, nous allons, vous allez voir comment est-ce que ça se fait, nous allons préparer le terrain, la base pour une deuxième fois. Parce que chaque fois qu'on termine une séquence et qu'on commence une deuxième séquence, ça augmente d'une feuille de chaque côté de notre châle. Donc, on augmente le nombre de feuilles de une de chaque côté. Vous allez comprendre. Je ne veux pas être très mêlante, mais vous allez le comprendre. Et le onzième rang, c'est en fait notre premier rang de notre motif. On le commence, les augmentations, on les garde. On n'arrête pas d'augmenter le nombre de mailles, même si on commence le motif. Ça, c'est important de le savoir. Donc, en début de rang, je fais un jeté. Maintenant, je travaille une maille à l'endroit. Après cette maille à l'endroit, je fais un autre jeté. Je travaille deux mailles à l'endroit. Une, deux mailles à l'endroit. Là, je vais devoir travailler deux mailles à l'endroit ensemble, mais orientées vers la droite. Pour ce faire, selon la technique de tricot que j'ai, mes mailles sont orientées comme ça. Donc, il faut que je les tourne. Je tourne, je change leur orientation. Pour ça, je prends la première maille du brin arrière avec mon aiguille droite, 1. La deuxième, je fais la même chose, je le prends par le brin arrière, 2. Là, avec mon aiguille gauche, je vais les remettre à leur place, mais vous avez vu, le brin arrière, il est devenu le brin avant. Je vais prendre les deux mailles par les deux brins avant, comme ça, et je vais les travailler ensemble à l'endroit, et cela fait que elles sont orientées vers la droite. Je travaille une maille à l'endroit et les deux autres mailles, je vais aussi les travailler ensemble. Mais ici, je ne change rien parce que je veux qu'elles soient orientées vers la gauche. Et si je ne change rien, quand je les travaille ensemble à l'endroit, c'est naturel, ça les envoie vers la gauche. Voilà,
On n'a pas terminé encore, donc on a fait deux mailles ensemble, orientées vers la gauche. Deux mailles ensemble. Deux mailles, pas ensemble, à l'endroit, je m'excuse. Deux mailles à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit. Et je m'arrête parce que je suis rendue devant mon premier marqueur où je dois faire un jeté. Je déplace le marqueur. Je travaille la maille centrale à l'endroit. Je déplace le deuxième marqueur. Après lui, je fais un autre jeté. Et je suis rendue sur la partie gauche de mon châle où je vais devoir faire la même chose qu'ici. Donc, un jeté, une maille à l'endroit. Donc, la séquence commence par une maille à l'endroit, un jeté, deux mailles à l'endroit, deux mailles ensemble à l'endroit orientées vers la droite où je dois changer l'orientation des mailles. Je l'ai fait plus lentement dans la première partie. Ici, je vais aller un peu plus vite. Donc, ensemble, orienté vers la droite. Une maille à l'endroit. Deux mailles ensemble, orientées vers la gauche. Ici, je ne change rien. Elles vont aller naturellement vers la gauche. Deux mailles à l'endroit. Donc, vous voyez, ça se répète d'un côté et de l'autre. Un jeté. Une maille à l'endroit et une dernière augmentation en fin de rang. Je n'oublie pas de faire ça. Vous allez constater que ici, dans le 11e rang, on a fait plusieurs jetés, mais ça, on les a fait parce que on avait travaillé deux mailles ensemble. Et pour ne pas perdre le nombre de mailles que nous devons avoir dans chaque rang, c'est pour ça qu'on fait les jetés. Dans le rang pair, je vous laisse travailler individuellement parce qu'il n'y a rien de compliqué. C'est comme tantôt, toutes les mailles se travaillent à l'envers. On se rencontre au 13e rang. Donc, je vous donne rendez-vous là. On est rendu au 13e rang. Dans le 13e rang, le motif suit comme ça. Un jeté en début de rang, on n'oublie pas ça. Ça ne change pas. Là, on va faire, après le jeté, on va faire une, deux mailles à l'endroit, un jeté, deux autres mailles à l'endroit, une, deux. Ici, on va faire la même chose. Donc, on va continuer de travailler deux mailles ensemble à l'endroit, orientées vers la droite. Donc, je fais la même chose. Je change de position. Les deux mailles à l'endroit. Je les prends par le brin qui était arrière. Maintenant, il est devenu le brin avant. Et je vais travailler ces deux mailles ensemble à l'endroit, orientées vers la droite. Une maille à l'endroit. Deux autres mailles ensemble à l'endroit, orientées vers la gauche. Deux mailles à l'endroit. Une, deux. Un jeté. Et deux mailles à l'endroit. Je suis devant mon premier marqueur, donc je dois faire une augmentation. Ça, c'est les augmentations ordinaires. La ligne centrale, je déplace mon deuxième marqueur après lui, une autre augmentation, et je commence mon motif. Deux mailles à l'endroit, un jeté, deux autres mailles à l'endroit. Deux mailles à l'endroit ensemble, orientées vers la droite, que je change de position pour avoir cette orientation vers la droite. Une maille à l'endroit, deux mailles à l'endroit ensemble, orientées vers la gauche, que je ne change pas de position. Donc, il me reste deux mailles à l'endroit, un jeté, deux dernières mailles à l'endroit. Et une augmentation en fin de rang. Le 14e rang, vous allez le faire individuellement. Nous sommes rendus au 15e rang. Donc, vous voyez, ça commence à prendre le contour d'une feuille. Le jeté, l'augmentation en début de rang. On va faire 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Je fais un jeté,
Oups, désolée, j'ai perdu ma maille. Donc, après les quatre mailles, le jeté, les quatre mailles, j'ai fait un autre jeté. Et je travaille deux mailles à l'endroit. Une, deux. Ici, ça va être une nouvelle action qu'on va faire, mais que ça va se répéter tout au fur et à mesure du châle, donc tout au long de notre travail. On doit travailler ensemble trois mailles. C'est à partir de là que nous allons commencer à contourer le pétiole de notre feuille. Donc, vous voyez, la feuille, elle va aller comme ça. C'est pour ça qu'on fait, on tourne en fait les mailles pour avoir des orientations vers la droite, vers la gauche. Et pendant quelques rangs, nous allons faire le pétiole de cette feuille-là. Et pour avoir ce pétiole, il nous faut, on va contourer une ligne de centre, une maille de centre, une ligne de centre. Donc, vous allez comprendre. Je suis pas du tout bonne en dessin, mais bon, c'était juste pour vous expliquer un peu plus. Donc, les trois mailles ensemble, mais on va pas les travailler, on va pas les prendre toutes comme ça, puis travailler à l'endroit ensemble. Je veux qu'on fait le contour de cette ligne centrale. Pour ça, il faut que j'amène la maille. Donc, si je prends les trois mailles là, la deuxième maille, il faut que je l'amène qu'elle soit la première. Je dois lui changer la position. Donc, il faut qu'elle devienne, la deuxième devienne la première. Pour ça, je prends avec mon aiguille droite les deux mailles ensemble. Vous voyez, je les prends ensemble. Je les sors de mon aiguille gauche, comme ça. Avec mon aiguille gauche, je vais aller chercher la première maille pour la replacer sur l'aiguille gauche. Comme ça, la première maille qui était la première va devenir la première. Je sors mon aiguille droite, je veille à ce que je ne perde pas la maille d'où j'ai sorti l'aiguille. Et la deuxième maille qui était ici, je vais la replacer sur l'aiguille gauche, mais elle va devenir la première. Là, je vais prendre les trois mailles qui étaient désignées d'être travaillées ensemble et je vais les travailler à l'endroit ensemble. À partir de là, nous allons commencer à faire le pétiole de notre feuille. Après cette manipulation, on fait deux autres mailles à l'endroit. Une, deux. Je fais un jeté et je vais travailler quatre autres mailles à l'endroit. Une, deux, trois, quatre. Je suis devant mon premier marqueur. Donc, je dois faire une augmentation. Je change le marqueur. Je déplace en fait la ligne centrale, la maille centrale à l'endroit. Je déplace mon deuxième marqueur après lui. Un autre jeté. Je fais quatre mailles. Donc, je répète la même chose que je viens de faire sur la partie droite. Quatre mailles à l'endroit. Une, deux, trois, quatre. Un jeté. Deux mailles à l'endroit. Une, deux. Et voici nos trois mailles qui doivent être travaillées ensemble, mais on veut que la deuxième maille devienne la première. Donc, je répète la même manipulation. Je les prends les deux, je les sors de mon aiguille gauche. Je les prends avec l'aiguille droite. Avec l'aiguille gauche, je prends la première maille, je la replace sur l'aiguille gauche. Je sors l'aiguille de ces deux mailles-là. Je reprends la deuxième maille, donc c'était la deuxième maille, je la reprends avec mon aiguille droite et je la replace sur l'aiguille gauche. Comme ça, j'ai changé la position des deux premières mailles pour que la deuxième maille soit la première. Si vous ne tenez pas absolument que vous ayez une ligne centrale, mais c'est ça qui va faire la beauté de notre châle, donc d'avoir des belles feuilles avec des beaux pétioles. C'est ça qui va faire toute la beauté, la différence. Donc, il faut se donner la peine d'essayer de faire cette manipulation. Elle n'est pas difficile. Donc, peut-être une ou deux fois, ça vous sembler difficile, mais après ça, vous allez être habitué, ça va se faire très vite. Après ces trois mailles-là ensemble à l'endroit, je fais deux autres mailles à l'endroit. Un jeté, quatre mailles à l'endroit, une,
2, 3, 4 et une augmentation en fin de rang. Le sixième rang, vous allez le faire individuellement. L'entrefeuille, elle commence à avoir du contour. Et ici, comme vous pouvez le constater, on commence à préparer le terrain pour deux autres feuilles. Donc, vous voyez, ici, on va finir une feuille, mais on va avoir le terrain pour deux autres feuilles. Donc, on va avoir une feuille de plus. Vous allez le voir. Le rang 17. Je continue mon châle. Je fais un jeté en début de rang. Je travaille à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Après la sixième maille à l'endroit, je fais un jeté. Je travaille une maille à l'endroit. Les trois autres mailles, les trois prochaines mailles, je dois les travailler aussi ensemble à l'endroit. Je dois faire la même chose que j'ai fait dans le rang précédent, dans le 15e rang, donc dans le rang précédent. Je dois déplacer, je dois changer de place la première et la deuxième maille pour que la deuxième devienne la première et la première devienne la deuxième. Juste à ce moment-là, seulement à ce moment-là, je peux travailler les trois mailles ensemble. C'est de cette ligne que je voulais voir, que je parlais tantôt. Donc, vous voyez, c'est une ligne en relief, une ligne des mailles à l'endroit où on commence à former le pétiole de cette feuille. Après ces trois mailles à l'endroit, je fais une maille à l'endroit, un jeté et six mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit. Je suis devant mon premier marqueur. Donc, un jeté, je déplace le marqueur, la maille centrale à l'endroit. Mon deuxième marqueur déplacé, après lui, un jeté. Et je recommence le motif, le patron. La séquence de ma feuille. Donc, 6 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 5, 6, un jeté, une maille à l'endroit, 3 mailles ensemble à l'endroit, mais les deux premières, je les change de place pour que la deuxième devienne la première. Je les prends toutes les trois ensemble et je les travaille à l'endroit. Après ça, une maille à l'endroit, un jeté et 6 autres mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6 et en fin de rang, une augmentation. Le 18e rang, vous allez le faire tout seul. Donc, vous voyez, une belle feuille commence à prendre le contour. C'est une beauté exceptionnelle. Le rang 19. Donc, vous voyez, on finit bientôt. Donc, ça va être dans ce rang qu'on va finir la feuille, la première feuille, et qu'on va se retrouver à avoir la base, le terrain préparé pour deux autres nouvelles feuilles. Et c'est comme ça qu'on va procéder avec chaque fois qu'on va terminer une séquence en hauteur, on va avoir une feuille de plus. Début de rang, un jeté. Je fais 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit. Je fais un jeté. Les 3 mailles ici, je fais la même manipulation que tantôt, donc je dois les travailler ensemble et je change de position la première avec la deuxième maille pour que la deuxième devienne la première. Je les prends toutes les trois ensemble et je les travaille à l'endroit. Je fais un autre jeté après ça et 8 autres mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Devant mon premier marqueur, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse un jeté. Je déplace le premier marqueur, la maille centrale
à l'endroit, je déplace mon deuxième marqueur, un jeté, 8 mailles à l'endroit. Donc, je commence la séquence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais un jeté. Les trois mailles ici, je dois les travailler ensemble. Donc, je change la position de la première et la deuxième maille pour qu'elle soit, pour que la deuxième soit la première. Je les prends toutes les trois par le brin arrière, par les brins arrière, et je les travaille ensemble à l'endroit. Un jeté après et 8 dernières mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et j'oublie pas une augmentation en fin de rang. Le 20e rang, vous allez le faire individuellement. On se donne rendez-vous au 21e rang. Nous sommes rendus au 21e rang. Donc, après avoir travaillé le 20e rang, vous allez comprendre que nous avons terminé une séquence en hauteur et que nous avons terminé de tricoter une feuille de notre châle. Donc, une séquence avec une feuille. La deuxième séquence en hauteur, cette fois, nous avons préparé la base pour deux feuilles. Donc, on avait dit que chaque fois, on va augmenter d'une feuille chaque partie de notre châle. Il va avoir une feuille de plus avec chaque séquence en hauteur. Je me posais des questions si je devais rester avec vous ou non, mais moi-même rencontrant ces difficultés, je vais quand même rester avec vous avec une deuxième séquence en hauteur parce que entre les deux feuilles, il y a une légère nuance que si je ne vous explique pas, vous allez refaire et défaire votre travail et j'aimerais pas vous faire travailler beaucoup et en trop. Donc, je vais rester avec vous une deuxième séquence en hauteur, mais seulement pour une seule partie. Donc, la deuxième partie, puisque c'est identique, je vais vous la laisser à vous et les rangs pairs également. Donc, je vais rester seulement dans la première partie, dans la partie droite. Ici, nous avons le terrain préparé pour deux autres nouvelles feuilles. Mais la séquence commence comme dans le 11e rang. Ça veut dire que on fait une augmentation en début de rang. On commence par une maille à l'endroit, un jeté, deux mailles à l'endroit, une, deux. Les deux prochaines mailles vont être travaillées ensemble à l'endroit, orientées vers la droite. Et ici, vous vous rappelez, il faut qu'on change d'orientation. On a changé d'orientation, on les travaille ensemble à l'endroit orienté vers la droite. Une maille à l'endroit, deux mailles ensemble à l'endroit orienté vers la gauche, vous voyez. Et deux mailles à l'endroit, un jeté et une maille à l'endroit. Donc voilà une feuille, une séquence à l'horizontale. Je recommence une deuxième séquence avec un jeté, une maille à l'endroit. Une maille à l'endroit, on l'avait déjà ici. C'est ça, c'est ici la nuance. Donc, cette maille à l'endroit, elle va servir d'une maille à l'endroit et pour cette feuille et pour cette feuille. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, une maille à l'endroit, un jeté, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'endroit ensemble orientées vers la droite, une maille à l'endroit. C'est ça la nuance et puis en montant en hauteur en séquence, vous allez comprendre cette nuance dans chaque rang, elle est différente. Deux mailles à l'endroit orientées vers la gauche. Ici, puisqu'on est en fin de partie, la partie droite, on a toutes les mailles qu'il nous faut. Donc, on a deux mailles à l'endroit à travailler, un jeté et une maille à l'endroit. Puisqu'on est devant notre premier marqueur, on n'oublie pas de faire l'augmentation ordinaire. On déplace le marqueur, la maille centrale,
on déplace le deuxième marqueur et on recommence la même chose que ici. Donc vous pouvez remettre cette partie-là pour vous aider à faire la partie gauche du châle. Et le rang pair, le rang suivant, vous allez faire individuellement. Le rang 23. Et on commence comme ça. Faire un jeté en début de rang. Je travaille à l'endroit 2 mailles. 1, 2. Je fais un jeté. Je travaille 2 autres mailles à l'endroit. Les deux mailles, les deux prochaines mailles, il faut que je les travaille ensemble à l'endroit, orienté vers la droite. Donc, vous avez vu, j'ai changé l'orientation. Une maille à l'endroit. Deux mailles ensemble à l'endroit, orientées vers la gauche. Deux mailles. C'est ici la nuance. Donc ici, quand on va continuer notre feuille, après les deux mailles ensemble, on fait deux mailles à l'endroit. On fait un jeté, une maille à l'endroit. Un jeté, deux mailles à l'endroit. Donc, vous voyez, c'est ici que la nuance est importante. C'est pour ça que je ne voulais pas vous laisser seul. Maintenant, donc, une maille à l'endroit, un jeté, deux mailles à l'endroit. Ici, les deux mailles, je change d'orientation. Je les travaille ensemble à l'endroit, orienté vers la droite. Une maille à l'endroit, deux mailles ensemble, orienté vers la gauche. Ici, comme c'est la fin de la partie, on a toutes les 4 mailles qu'il nous faut pour faire terminer notre séquence. Donc, on fait deux mailles à l'endroit, un jeté et deux mailles à l'endroit. Puisqu'on est devant notre premier marqueur, je fais un jeté, je déplace le marqueur, la ligne centrale. Je déplace le marqueur et je recommence la même chose que sur la partie droite. Il m'est difficile de vous expliquer ici comment une séquence embarque sur l'autre, mais il faut vraiment que suivez mes explications. Vous allez le comprendre une fur et à mesure. Quand vous allez avoir déjà 4 ou 5 feuilles dans une même partie, ça va être automatique. Ici, comme vous voyez, on commence, en début de rang, on commence la séquence avec deux mailles à l'endroit, un jeté, deux mailles à l'endroit. Mais ici, on finit la séquence avec deux mailles à l'endroit et on devrait avoir aussi encore un jeté et deux mailles à l'endroit. Mais puisqu'on continue comme le pétiole de cette feuille-là, on a une seule maille à l'endroit. Et c'est cette seule maille à l'endroit, elle sert de fin de séquence pour cette feuille et de début de séquence pour cette feuille, puisque à partir de là, donc c'est comme une maille à l'endroit, un jeté et deux mailles à l'endroit. Après ça, on continue la feuille. Donc vous voyez, c'est ici la petite nuance. Je vous laisse faire la deuxième partie par vous-même. Vous pouvez retourner en regardant cette partie-là et le rang pair, vous allez le faire individuellement. Je reste avec vous jusqu'à la fin de la séquence en hauteur. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Le rang 25. Le rang 25, je vous explique tout de suite la nuance. Donc, on va commencer par, comme d'habitude, faire un jeté en début de rang. Et la séquence commence par 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Mais quand on va terminer la première séquence à l'horizontale et on va commencer la deuxième séquence à l'horizontale, nous n'allons pas avoir 4 mailles ici, mais seulement 3. Donc, vous allez le voir. Donc, 4 mailles, un jeté, 2 mailles à l'endroit, 1, 2. Ici, c'est mes 3 mailles que je dois travailler toutes ensemble, mais que je change de position la première avec la deuxième. Et je les prends les 3 par le brin arrière, et je les travaille ensemble. Après ça, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, je fais un jeté et normalement je devrais faire 4 mailles puisque c'est comme
on débute la séquence avec 4 mailles, mais on va faire seulement 3 mailles. Et ces 3 mailles-là vont servir pour fin de séquence ici et pour début de séquence de feuilles ici. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais je vais vous laisser à la fin de ce tutoriel le petit patron que j'ai trouvé, le petit schéma du motif. Vous allez comprendre peut-être mieux que je vous l'explique. 1, 2, 3. Je fais un jeté, je fais 2 mailles à l'endroit et les 3 mailles ensemble que je dois travailler ensemble, mais que je change de position la première et la deuxième. Comme ça. Je les prends toutes les trois par les brins arrière et je les travaille ensemble à l'endroit. Après ça, donc quand je suis en début de partie et en fin de partie, j'ai toutes les mailles qu'il me faut. J'ai donc 4 mailles ici, puis ensuite j'ai les mailles pour la feuille. Et quand je finis ici, c'est la même chose. Donc, j'ai ma feuille et les 4 mailles en fin de partie. Après les 3 mailles ensemble, je fais 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté. Et j'ai 4 mailles ici que je dois travailler à l'endroit. C'est ça, d'ajuster le patron, le motif, en fait, pour que ça soit, vous voyez, c'est un châle. Et c'est un châle qui va en augmentant les mailles. Si ça aurait été un tricot à plat tout droit, on n'aurait pas eu cette nuance-là. Mais ici, c'est la nuance, elle est faite pour pouvoir justement ajuster le patron pour notre châle, pour qu'on ait ces augmentations-là et pour qu'on garde quand même à l'intérieur du patron le motif de la feuille. Donc 4 mailles à l'endroit, j'oublie pas de faire un jeté devant, avant le marqueur. Je déplace le marqueur, la maille centrale, je déplace le deuxième marqueur et je fais la même chose sur la partie gauche, la même chose que j'ai fait ici. Et on se donne rendez-vous au 27e rang. Le rang 27. Rang 27 et c'est encore avec des petites nuances ici, mais c'est juste parce que vous voyez là, on va voir déjà, on aura préparé le terrain pour 3 feuilles, 1, 2 et 3. Donc c'est pour ça que on a ici cette petite nuance là, mais vous allez la comprendre, je vous assure. Au départ, moi aussi j'étais embêtée avec ça, mais au fur et à mesure que je travaillais, je l'ai compris. C'est comme une formule là, tu la comprends et tu l'appliques et c'est tout. Donc 27e rang, je débute avec une augmentation en début de rang, je fais 6 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit, un jeté, 1 maille à l'endroit, 3 mailles ensemble à l'endroit, mais les 2 premières, je change la position des 2 premières mailles. Donc la deuxième devient la première. Je les prends les 3 par le brin arrière, je travaille à l'endroit ces 3 mailles-là. Une maille à l'endroit et je fais un jeté. Ici, je vais avoir 5 mailles à travailler. Donc vous voyez ici, au début j'avais 6 mailles à l'endroit, mais ici entre les 2 feuilles que j'ai ici, je vais avoir 5, seulement 5, pas 6 mais 5. Et comme je disais, ces 5 mailles, elles servent et pour cette partie-là, pour terminer la première séquence et pour débuter la deuxième séquence. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais un jeté, je fais une maille à l'endroit, 3 mailles ensemble à l'endroit, mais je change les 2 premières de position. Le travail ensemble, une maille à l'endroit, je fais un jeté, cette fois puisque je suis en fin de partie, la partie droite, je vais avoir les 6 mailles qu'il me faut. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Je fais un jeté puisque je suis devant le premier marqueur. Je le déplace. La maille centrale, je déplace le deuxième marqueur et je vais faire la même chose que je viens de faire sur la partie droite sur la partie gauche. Et le rang pair, vous le faites individuellement, on se rencontre au 29e rang. Voilà, nous avons terminé deux séquences en hauteur. Et vous voyez que le nombre, il faut que je mette quelque chose de plus foncé en dessous, que le nombre de nos feuilles, ça augmente vraiment. Donc, on a eu d'abord une feuille, puis ensuite, on vient de terminer deux feuilles dans la deuxième séquence en hauteur, et on avait préparé le terrain pour les trois autres nouvelles feuilles. Donc, une feuille de plus. Une, deux et trois. Donc, je vous suggère fortement, quand vous allez... Jusqu'à temps que vous allez comprendre le principe, de retourner en arrière, pas au 10e, au 11e rang, mais au 21e rang. Parce que c'est là que j'explique les nuances. Vous allez voir, donc, dans les... maintenant, nous allons avoir trois séquences à l'horizontale. Et les petites nuances desquelles j'avais parlé entre les deux séquences à l'horizontale, vous allez les appliquer au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre travail jusqu'à temps que vous compreniez le principe. Donc, retournez au 21e rang et suivez toutes les explications jusqu'à que vous terminez une séquence de plus en hauteur. Puis ensuite, si vous n'avez pas encore compris le principe, encore une fois, vous pouvez retourner déjà au 31e rang ou encore une fois au 21e rang. Mais c'est ça. Donc, je vous donne vraiment toutes les explications et il n'y a pas d'erreur. Donc, regardez la beauté que nous obtenons d'un côté et de l'autre. C'est magnifique. Vous allez travailler individuellement jusqu'à temps que vous obteniez, que vous atteigniez la grandeur de votre châle. Je vais vous donner rendez-vous au moment où je vais terminer le châle. J'ai pensé de faire une bordure perpendiculaire à ce châle. Si, par exemple, mettons que je suis ici rendue à la fin de mon travail que je dois terminer, fermer mes mailles. Regardez, donc si je vais fermer les mailles, je vais avoir comme un bord de châle, mais pas aussi sympathique que le patron. Mais moi, j'aimerais que la bordure du châle continue en fait quand je vais fermer les mailles. Donc, j'ai pensé d'ajouter une bordure perpendiculaire à ce châle et je vais vous montrer comment la réaliser parce que je ne veux pas casser la beauté du châle juste en fermant les mailles comme ça. Mais encore une fois, comme vous le savez déjà, je suis très prétentieuse, puis je me mets toujours des défis. Si vous allez vouloir le suivre avec moi, tant mieux. Sinon, vous pouvez juste fermer les mailles ici quand vous allez atteindre la grandeur. Parce que le châle, il va se tricoter comme ça jusqu'à temps que vous voulez le terminer. Peu importe le moment que vous choisissez. Mais je vous suggère de choisir le moment où vous allez terminer une séquence en hauteur au moins pour avoir des feuilles terminées. Mais ça va finir quand vous allez décider de le finir. Donc, il n'y a pas... À part ça, il n'y a rien d'autre que je devrais vous expliquer dans la réalisation du châle. Donc, moi, je donne rendez-vous à tous ceux qui désirent, comme moi, faire une bordure perpendiculaire au châle. Et me revoilà avec mon projet presque finalisé. Regardez la beauté. Et il n'est pas encore lavé, il n'est pas repassé, mais c'est d'une beauté incroyable. Donc, je suis rendue au moment où je me suis dit qu'il faudrait que j'arrête le travail. Et je voulais vous montrer comment je prépare. Parce qu'on avait dit, j'avais dit que je vais faire une bordure perpendiculaire pour ce châle, pour ne pas casser le motif, pour ne pas casser la beauté de ce châle. Et pour faire cela, je vais avoir besoin, quand je vais... Donc, je me suis arrêtée, vous voyez, à la fin d'une séquence en hauteur. Donc, j'ai terminé les feuilles
Et c'est là que je vais m'arrêter dans le travail. Il faut que seulement que je fasse le rang pair, donc les mailles à l'envers. Et je suis revenue avec vous parce que c'est là que je vais préparer en fait le travail pour la bordure perpendiculaire. Pour faire cela, je vais travailler les mailles à l'envers comme dans un rang pair ordinaire tout au long de mon travail. Sauf que dans ce dernier rang, je vais introduire un fil en contraste parce que quand nous allons la bordure perpendiculaire, c'est comme un petit morceau complémentaire au châle. Donc c'est un morceau séparé qu'on va accrocher au fur et à mesure en notre bord du châle. Et pour savoir où justement l'accrocher, avec quelle maille seulement justement l'accrocher, on a besoin d'un fil en contraste que nous allons par la suite enlever. Donc on va l'enlever, mais au départ, il faut que j'insère, que j'introduis un fil en contraste pour pouvoir continuer le travail. Donc je vais focusser un peu plus maintenant. Je sais pas si ça se voit bien. J'espère que oui. Et je vais commencer, donc je ne sais pas si j'ai besoin de rester avec vous tout au long de ce rang, mais au moins quelques mailles pour vous montrer comment j'introduis le fil complémentaire, mais il n'y a rien de difficile. J'ai pris le fil en contraste ensemble avec le fil avec lequel je travaille. J'ai travaillé tout au long du châle et je vais seulement faire toutes les mailles à l'envers avec les deux fils en même temps. Donc voilà ce que ça donne. J'avais pas un fil plus fin, plus mince que ça. J'ai pris un fil que j'avais sous mes mains, mais c'est pas grave. Donc je vais pas rester jusqu'en fin de rang avec vous. Je vais faire ça jusqu'à la fin, tout au long de mon châle. Et ici, quand je vais arriver en fin de rang, je vais laisser un bon morceau pour pouvoir cacher les fils et je vais couper les deux fils simultanément. Donc, je vais vous donner rendez-vous à ce moment-là.